Je suis Sohaï, je suis graphiste illustratrice sur Clermont-Ferrand. Je suis à la base une grosse passionnée de tout ce qui est visuel, musical, vidéo même. Donc j'ai voulu développer mon projet dans ce domaine-là. Donc j'ai créé mon studio graphique qui s'appelle Forsaken Star. Donc c'est un studio avec lequel je travaille sur des commandes. Donc pour des affiches, pour des mini-BD, des cartes de visite, des cartes de vœux. J'ai commencé il y a à peu près 7 ou 8 ans en créant un blog BD sur Internet, donc j'étais au lycée à l'époque. Ça m'a donné envie ensuite de m'orienter dans le multimédia ou dans l'illustration, sauf que j'ai pas eu la chance de suivre d'école dans ce domaine-là. Donc j'ai commencé à avoir divers petits boulots, et en parallèle j'ai continué à me former toute seule grâce à Internet. C'est l'équipe du Château des Vernes qui m'a parlé de ce petit concours. Donc je ne sais pas si de moi-même j'aurais eu l'idée de me présenter à un concours, parce que c'est vrai que présenter mon projet, c'était assez difficile pour moi, parce que c'est un projet à la fois personnel et assez ambitieux. Donc je voyais ça comme l'occasion d'avoir un avis de professionnel et de rencontrer des gens et de partager le projet. Pouvoir être lauréat, c'est un immense encouragement, parce que j'ai grandi pendant des années en entendant que le dessin sert à rien. Donc c'était vraiment un gros encouragement pour continuer, développer le projet. Donc ensuite, la bourse va me permettre de faire imprimer plus de visuels pour des expositions. Donc parce que je travaille en numérique, donc il faut faire imprimer ces créations pour pouvoir les partager en exposition.